Salut à tous les gens, j'espère que vous avez tous magnifiquement pour la vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, et on se retrouve sur Neodium pour le quatrième ou cinquième épisode. Aujourd'hui, les amis, c'est un peu spécial parce que je suis avec mon bon ami, mon pire ennemi plutôt, Nathan. Comment vas-tu, Nathan? Ça fait trop genre 1940 là, tu sais, quand les gens faisaient bonjour, je serai en compagnie de David Lafarge Pokémon. Ok, bon, bref. Aujourd'hui, en fait, on est sur l'île de Burby. C'est ça son pseudo exact? Ouais, Burby. Burby. En fait, il a quitté le serveur, les gars, et il nous a donné son île. Donc, il y a des champs et tout, comme vous pouvez voir. Donc, on va farmer un peu ici. Mais ça m'a fait penser aussi en farmant que, en fait, je crois que je peux rank up, les gars. Et oui, je peux rank up parce que je suis mineur 5, bûcheron 5, fermier 5, chasseur 5. Si on regarde bien comme il faut dans notre job, on a bien amélioré. Chasseur, je suis chasseur 10. Fermier, je suis fermier 6, je suis en train de travailler dessus. Bûcheron, je suis bûcheron 5. Faudra aussi travailler là-dessus. Et mineur, je suis mineur 20. Donc ça, c'est plutôt cool. Aussi, j'ai eu des... j'ai acheté des crédits. Donc c'est plutôt cool. Et Nathan, s'il parle dans le chat, Nathan. J'ai donné le grade diamant à Nathan. Et on s'est rajouté dans notre TDS. Donc c'est des bonus de trucs, comme vous pouvez voir. Et donc on a 40% de plus d'XP que quand on gagne le... quand on mine un truc. Donc je crois que si de base, si on mine un truc de base, c'est 1 XP, par exemple. Bah là, bah on a... il a 1.40, quoi. Il a 40% de plus. Et moi, j'ai 40% de plus. Donc ça va vraiment nous aider pour développer nos métiers. C'est plutôt intéressant. En plus de ça, on a acheté le Daily XP Limit. Donc voilà, on a plus d'XP de limite par jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre de farm de fou. Et aussi... qu'est-ce qu'on a fait de différent depuis la dernière fois? Je sais pas si vous avez... Bah ça, j'ai pas crafté l'épée, hein, ça c'est pas la mienne, c'est celle de Nathan, son ancienne, je l'utilise juste pour casser les mobs. Ok, donc là, je vais vous montrer vite fait l'île qu'on a ici. Donc d'ailleurs, on a le Slash Fly, ça c'est vraiment cool avec le gold, le truc diamant. L'event est terminé, donc il n'y a plus le Slash Fly pour tout le monde. Mais Molotov, l'administrateur, m'a dit qu'il y aurait peut-être un double XP... offert pour les métiers et tout ça ce week-end. Donc ça peut être vraiment intéressant pour le coup. Donc ouais, voilà, c'est l'île qu'il nous a donné. Donc il l'a donné au double compte de Nathan. Et là, nous, on va pouvoir farmer ici. Comme on peut voir, il y a pas mal de spawners ici. Nathan les a tous retirés. Mais en gros, il y a 178 000 squelettes ici. Et ici, il y en a pas mal aussi de zombies aussi. 83 000, donc on va pouvoir farmer ça. Il y a un champ de verrues. Un champ de blé ici, un champ de carottes et un champ de patates aussi qui est plutôt intéressant. Donc on va pouvoir faire tout ça et améliorer nos métiers de farming. Mais bon, on va voir le rank up, jusqu'à où qu'on peut rank up. Donc on peut rank up en tant que compte, ça c'est bon. Maintenant, c'est quoi que ça coûte pour level up? On va pouvoir acheter l'opère de farm au shop, au marquis. Ok, c'est bon. Ah, là ça le prend niveau 10 de certains trucs et un boost d'XP de métier encore une fois. Et un boost de solidarité de plus 2%, donc ça va faire 42%. Et boost de vente, ok, Duke, toi t'es quoi en ce moment, Nathan? Prince, je crois. Et Prince, c'est après Duke? Ouais. Ok, ouais, ouais, moi je suis Marquis, donc c'est plutôt sympatoche. On va pouvoir farmer, là c'est quoi les levels, les trucs que je dois faire? Le bûcheron qu'on doit améliorer, on doit mettre jusqu'au niveau 10, qui va être quand même assez chaud. Ensuite, oups, j'ai quitté le menu. Et ensuite, c'est fermier 10. Mais bon, on va commencer par le fermier 10. Les gars, je vous reprends quand je suis fermier 10. En espérant que ça va assez vite. Parce qu'on a quand même pas mal de champs ici. Donc, en espérant que ça va assez vite. Et qu'on puisse être rapide. Et ensuite, regardez, c'est le meilleur truc de l'île en fait. C'est ça. Il y a des citrouilles et tout ça. Donc, lorsqu'on est niveau 15 de farmier, on va pouvoir farmer les citrouilles et le melon. Et ça va beaucoup plus vite parce qu'on a une hache. Dans la crafting custom là, cap de champ custom, qui casse instant les pumpkins ainsi que les melons. Donc ça va être vraiment chouette lorsqu'on va pouvoir être rendu là. Donc je vous reprends lorsqu'on y est. On est enfin niveau 10 partout les gars. Ça a été long, on l'a réussi, on l'a fait. On va rank up, c'est quoi? C'est 63 000, let's go, on est rendu duc. Maintenant on va rank up prince. Acheter l'élévateur, ok on s'en fout mais c'est cool. Ah, il faut être 15 partout, sa mère! Oh, mais on gagne une pain. Oh, on gagne quand même pas mal de trucs ici. 36 slugs dans le sac à dos, une lame de gaz, 108 pierres du néant, 4 potions de flèche 20 minutes. Ok, bah là, 15 partout, ça, les gars. Sa mère, la reine des putes. Je ferme pas ça aujourd'hui, hein, parce que là, déjà que le bûcheron, ça m'a pris 50 ans, mec. Vous pouvez être sûr et certain à 90% que je fais pas ça. Par exemple, le farming, on peut le monter. Le mineur, on est déjà. Et le flasher aussi, on va le monter niveau 15. Donc, encore une fois, ça va être un peu chaud. On a deux clés émeraudes. Donc, une que je vais donner dans le chat de mon live.
Donc, je rappelle pour ceux qui sont sur la live en ce moment, le mot-clé c'est anti-Molotov comme ça, parce qu'on déteste tous Molotov. Il est pas gentil, il veut pas nous donner la hache pour casser les arbres instant. Donc ça, vraiment, je trouve ça irrespectueux. Je vais faire une pétition et des protestations dans les rues de Paris pour qu'il y ait la hache. La hache s'appelle hache d'icons et ça casse tous les arbres en un coup. Parce que là, vraiment, j'en suis vraiment très énervé. C'est où les clés déjà? Oh, on peut voir les temps de jeu ici. On va regarder ceux qui sont les plus riches sur le serveur. Inès, 43 ans. Lui, je le connais. Azrod, je le connais aussi. Peach, je l'ai vu vite fait dans le chat. Plouf, t'es presque premier, gros. What the fuck? Wow, il y en a, c'était vraiment des no-life, hein. C'est où les autres classements et tout? Il n'y a pas un truc genre classement? Warp, classement. Ah, bah voilà. Warp, classement. Oh, putain, 66 dans le chasseur. Ah, lui, il a laissé son PC ouvert pendant un mois, lui. C'est pas possible. Ici, on a quoi? Job Bûcheron, 38. Wow, eux, c'est des malades, hein. Laisse tomber, c'est la pire métier du monde. Azrod, dans les mineurs, 47. Il a laissé aussi son PC ouvert 3 jours. Peach, dans les fermiers, 49. Oh là là, il y en a, les gars, c'est vraiment des malades, hein. Bon, les caisses, c'est où? Warp, clé... Let's go ouvrir la clé émeraude, les gars. Qu'est-ce qu'on va bien avoir aujourd'hui? On va le savoir maintenant. Vous êtes prêts? Allez, des spawners à golem, ce serait incroyable. Deux déchets faibles. Ok, les gars. On s'est fait enculer, sa mère. Ah, rip, rip, rip. Maintenant, je tire au sort pour le gagnant sur le live. Et moi, pour la vidéo, je vous reprends un peu plus tard. Yop les gars, donc je suis je suis niveau 15 partout les gars. Donc on peut voir 15, 26 et 21. Donc j'ai travaillé pas mal sur le bois et sur le farming sa mère. Et aussi grâce aux gens qui me TDS. Donc un gros merci à tous ceux qui m'aident. Donc on va pouvoir faire slash rank up. Et on va pouvoir rank up roi. On a gagné pas mal de trucs. Ensuite on va pouvoir passer empereur pour 200 000. Ça coûte cher sa mère. Et ensuite on va pouvoir passer... Fermier prestige 1. Et là, c'est pas possible. ok, les gars. Donc, on est fermier niveau 1. Là, ça nous prend 25 chasseurs, 25 bûcherons. Et ouh, on va avoir un boost d'XP, boost de solidarité et tout. Ça sera plutôt pas mal. Mais là, pour l'instant, ça va être chaud. Ok, bon, on a gagné quelques trucs en plus. Des potions, de la ajout de points d'île. Oh, on a gagné de la endstone. Nice, 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 nice. Donc, on va la rajouter ici. Et puis, je vais crafter une nouvelle houe. Une nouvelle hache, plutôt. Ou, je sais pas, où je sais crois que c'est... Mais c'est une hache pour casser les citrouilles, à ce que je comprends. Donc, attendez, je vais vous montrer. On va juste mettre le stack là. La glace blanche, super. Donc, on avait besoin de la glace blanche, mais c'est celle-là, ici, au niveau de fermier. Et on va pouvoir enfin casser les citrouilles. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ça nous prend juste une houe en diamant, deux magma cream et je crois que j'ai farmé deux magma cream. Attendez un instant. Non, c'est pas ici, c'est ici. J'en ai 5, donc c'est parfait. On a besoin ensuite d'un truc en diamant. Une houe en diamant. Donc une houe c'est 2 je crois. Ça nous prend des bâtonnets. Où est-ce que nous avons des bâtonnets? Des bâtonnets, des bâtonnets, des bâtonnets. Il y a des bâtonnets quelque part ici, je sais qu'il y a des bâtonnets. Des bâtonnets. Voilà. Donc on va crafter ici la houe. On a besoin de quoi aussi? Ça prenait quoi? C'était quoi comme récolte? C'était deux patatos. Donc on va prendre deux patatos. Ils sont dans le coffre ici. Les patatos normalement. Ouais. Patatos. Wellou. Et on va pouvoir one shot. À ce qui paraît ça one shot comme on peut voir. Ça one shot les citrouilles et tout. Donc on verra. Voilà je l'ai crafté. Donc on n'a plus besoin de la houe ici. Bon, je sais pas où est-ce qu'on peut la mettre, mais bon, vas-y, go. Ouais. Maintenant, on a la hache pour casser les citrouilles. On va aller sur l'île que nous a donné dans la dernière vidéo, Burby. Il nous a filé et en gros, on va pouvoir tester ceci. Je crois que c'est par là-bas. Si je m'abuse, il y a des citrouilles juste au-dessus, les amis. Et on va pouvoir tester si ça one-shot bien. On peut pas casser, les gars. Abdoulilou, on peut pas casser. Attendez, je vais juste voir si on peut casser les citrouilles. Ouais, on peut casser les citrouilles, mais on peut pas casser les melons. Et ça nous donne... Ça one-shot les citrouilles. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Faudra juste que je trouve un île où il y a des citrouilles. Parce qu'on dirait que quelqu'un est déjà passé par ici, les amis. Hein. Ça, presti, les gars. Il y a quelqu'un qui a volé le champ. Ça doit être Nathan. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous reprendre lorsque je suis 25 partout. Donc, on en a pour encore un bon moment. Parce qu'on a chasseur et bûcheron et fermier à faire. Et ça risque d'être plutôt long. Donc, je vous reprends dans 15 jours, 15 ans, 1000 ans, on verra.
Oupsie doupsie guys, j'ai oublié de vous filmer, mais j'ai crafté plein de trucs les gars. Donc je suis passé 25 de bûcherons, 28 de mineurs et 25 de chasseurs. Je me suis fait une nouvelle pioche, j'ai fait la pioche Hersher. J'ai aussi fait la menuisier, hache menuisier. J'ai aussi fait la bagueur. Donc voilà. On a fait pas mal de trucs, donc les 3 items qu'on peut avoir au niveau 25. Là je vais aller farmer la houe de Vieguéron. On aura besoin de glace faible, des armes et tout. Mais là, pour level up, les gars, il nous manque juste. Pour rank up plutôt, il manque juste notre fermier niveau 25. Comme vous voyez, on a les 3 autres niveau 25. Donc, en faisant le job, on peut voir 25 de fermier. Donc, oups, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on va y aller avec sûrement les citrouilles. Et puis voilà. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Oh punaise, les gars, j'ai tellement le seum. Vous voyez une séquence après, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais mon logiciel de rec n'a pas rec ma voix, n'a juste rec le gameplay, gros. Donc là, en ce moment, vous voyez, je suis en train de vous montrer, en fait, que j'ai passé quelques prestiges. J'ai vraiment le seum, les gars, vous avez aucune idée. J'ai tellement farmé dur. Comme vous allez pouvoir voir à l'écran, c'est 45 pour le prochain rank up. Le prochain, plutôt, le prochain prestige. Ça va être énormément long et j'ai vraiment pas hâte à ce que ça en arrive là. Mais bon, en gros, voilà. On voit dans la vidéo, je craft, je vous montre que je craft aussi la houe de truc. Et la houe vigneron. La houe du vigneron. Et vraiment, niveau 45 partout pour le prochain rank up, les gars. Je sais pas comment je vais faire. Mais j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, ça me fait vraiment plaisir que vous appréciez la série sur Neodium. Si vous voulez rejoindre le serveur, tout est dans la description. Je vous aime. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Et à bientôt.